Yo tout le monde, c'est Fane, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu cool. Je me suis dit tiens, pourquoi pas faire un petit peu de Call of, hein. Ça faisait un moment qu'on en avait fait autre que pour le largage de ravitaillement. Donc je me suis dit tiens, on va en faire un petit peu. Et aujourd'hui on va se faire une vidéo un petit peu à la cool puisqu'on va faire du jeu d'armes. Donc excusez-moi, déjà si je regarde le petit écran de la caméra, je vais vous expliquer en deux mots pendant qu'on va chercher une partie. Jeu d'armes, juste ici. En gros, je tente quelque chose, un nouveau facecam. Si vous voulez, quand j'enregistre ma PlayStation, je pourrais utiliser ma webcam pour faire du facecam. Mais le problème, c'est que c'est pas pratique, ça me bouffe pas mal de ressources sur le PC à côté parce que j'utilise un autre logiciel, enfin c'est pas top. Donc je me suis dit, maintenant que j'ai une caméra et qu'elle est assez petite et assez simple à placer, je vais essayer de me filmer avec la caméra tout en enregistrant le jeu et le son de ma voix. Et sauf que la caméra est un petit peu compliquée à placer, j'ai pas forcément beaucoup de place dans mon bureau, je vais essayer de trouver une solution alternative par la suite pour la mettre un petit peu plus en hauteur. Donc comme vous le voyez, quand je vais regarder l'écran, le point de vue de la webcam, ça va pas être top. Vous allez me voir regarder en face, mais que de profil sur la caméra et tout, ça va pas être génial. Donc c'est vrai que je regarde un petit peu beaucoup le petit écran qui est à côté pour voir si c'est plutôt bien placé. Mais voilà, de toute façon, vu que j'ai joué, je ne vais plus le regarder l'écran. Et ces lunettes me saoulent un peu. C'est bon, je les ai bien mises droites. Donc ouais. Je vais faire des essais, pour le moment c'est pas trop mal, c'est pas trop mal, mais si je peux essayer de la placer encore de façon un peu meilleure la caméra, je vais essayer, je vais bidouiller mes choses. Mais quoi qu'il en soit, on commence par un petit jeu d'armes sur ce Black Ops 3. Alors j'ai pas beaucoup joué ces derniers temps, toi je t'ai vu. Hop. Ah c'est vrai qu'il y a les doubles clés de cryptage là, alors où je joue. J'ai pas beaucoup joué. J'ai été occupé, hein. Je suis sorti, j'ai joué à d'autres jeux entre temps, j'ai pas mal paramétré. Alors entre le changement de ma chambre, le changement de place de mes meubles et le paramétrage des vidéos de ma chaîne, j'ai eu pas mal de choses à faire. Oh putain, silencieux, c'est chiant. Ouais donc je sais, oui donc j'ai pas pu beaucoup y jouer. Et là il y a double clé de cryptage, j'ai pas pu... Ah j'ai du mal à parler, je n'ai pas pu beaucoup en profiter. Donc on va essayer de jouer un petit peu pour en récupérer un max et essayer de faire un opening, ce serait bien quand même. Oh ok, alors là c'est ma première partie depuis un bon petit moment. Oh toi, t'es mort. Toi je sais que t'arrives. Oh. Allez on est en série là. Ah la vache. Ah c'est dommage, c'est dommage, on était bien parti. On est en train de gagner, hein. Pour le moment ça se présente plutôt pas mal, hein. Et ouais, donc je me suis dit on va faire un petit jeu d'armes. Ça va toi, t'es la camp pas trop compliqué. Oh je t'ai one shot. Ah putain, ouais je me suis dit on va faire un petit jeu d'armes histoire de se détendre un peu, hein. C'est vrai que je crois que j'en ai pas encore fait sur ma chaîne sur BO3. C'est un mode de jeu sympa que j'aime bien, qu'on faisait pas mal sur Advanced Warfare. Et ouais je me suis dit tiens pourquoi pas. Et en même temps ça me permet de vous remercier. Alors, putain il m'a défoncé lui. De vous remercier pour une petite chose. Je tourne cette vidéo là. Ouh t'as pris cher. Ah dommage, je tourne cette vidéo là le lundi qui sortira le lendemain, hein, mardi, parce qu'aujourd'hui vous avez une Uncharted qui est sortie. Donc pas trop de vidéos à la fois, hein, même si je m'y remets petit à petit. Ah putain mais je suis nul à chier. Je suis nul à chier, ok je pue la merde. Je vous tourne ça donc, encore une fois je me répète, elle sortira demain. Et je voulais vous remercier pour la vidéo des... Oh t'as pris cher, la vidéo du setup. Putain c'est quoi cette arme là? C'est le bazooka. Pour la vidéo du setup, parce qu'on en est déjà à 140 vues en... Tiens, crève-toi. En 3 jours. Putain, il a pris cher, lui. 140 vues en 3 jours à l'heure où je vous parle. Et j'ai gagné 3 ou 4 abonnés. Donc, je voulais vous remercier, sincèrement, parce que ça me fait vraiment plaisir. Je crois que depuis que je fais des vidéos sur ma chaîne, c'est la première, première vidéo qui marche aussi bien. Enfin, aussi bien, aussi rapidement. Je crois que mon record, c'est... Toi, je vais essayer de te feinter. Ah merde, mon record c'est 200 ou 210 vues sur ma chaîne, mais en plusieurs mois. Là j'ai fait quand même 140 vues en 3 jours. Donc les mecs vous êtes des malades, je voulais juste vous dire un grand merci, ça me fait super plaisir. Et vu que je vois que ces vidéos là vous plaisent, elles sortent vraiment du commun et ça vous plaît pas mal, hein, la preuve, puisque j'ai eu pas mal de vues. J'ai serré... Je t'ai niqué.
Pardon. Oui, donc j'essaierai de vous sortir des vidéos un peu plus de ce style plus souvent, ça pourrait être sympa. Même si je vous ai dit que j'ai une seconde chaîne qui va ouvrir prochainement, alors quand je n'ai pas encore la date exacte. Putain, hé, j'ai fait comme dans Creed là, je l'ai niqué, je lui ai foutu une patate dans la gueule au mec. Ouais, Même donc si je ça va sortir, même si ma c'est nouvelle chaîne va possible, s'ouvrir très prochainement, mais je ça va être t'écraserai. vraiment des émissions qui parlent un petit peu de tout et de rien, comme je vous ai déjà raconté. Mais ça va pas m'empêcher de faire quelques vidéos IRL sur cette chaîne, vu que ça fonctionne bien, vu que ça vous plaît, pourquoi pas. Et c'est vrai que depuis que j'ai sorti cette vidéo, 140 vues quand même, c'est vrai que bon, ça reste toujours en quelque sorte dans le domaine du gaming, puisque je présente mon matos pour faire des vidéos. Mais d'un côté, je me dis, est-il plus judicieux d'ouvrir une deuxième chaîne où je fais mes émissions vraiment à part, parce que ça sera pas du jeu vidéo, ça sera vraiment à part. Est-ce que je fais une seconde chaîne où je fais vraiment tout ça à part, ou bien est-ce que je prends le risque de sortir tout sur la même chaîne, donc celle-ci actuellement où je fais que du jeu vidéo? Moi, je partais du principe d'ouvrir une nouvelle chaîne parce que, si vous voulez, c'est du jeu vidéo que je fais actuellement, vous le savez très bien. Si jamais je mets à faire des émissions, je sais pas, de musique, quoi que ce soit sur cette chaîne, ça va partager le public en deux. Il y aura ceux qui viennent pour le jeu vidéo et ceux qui viennent pour les émissions. Et ça se trouve, les jeux vidéo vont moins bien marcher que les émissions ou inversement. Et le problème, c'est que ma chaîne, elle va être un peu en dents de scie. Je crois que je sais plus si je vous en avais déjà parlé ou pas dans une vidéo, mais elle va être un petit peu en dents de scie. Donc il y aura masse de vues sur une vidéo qui n'est pas du gaming, pas beaucoup de vues dès que c'est du gaming. Donc, enfin, des petits trucs comme ça, je pense que vous me comprenez dans ce que je veux dire. Mais voilà. Donc, si jamais j'ai pas mal de vues dans cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis pour me dire ce que vous en pensez. Est-ce que j'ouvre une seconde chaîne ou je fais tout sur la même chaîne? Pour le moment, j'ai dans la perspective d'ouvrir une nouvelle chaîne. Je pense que c'est mieux. Mais après, voilà, n'hésitez pas à me laisser vos avis pour me dire ce que vous en pensez. Voilà, moi je pense que deux chaînes, c'est pas mal pour bien différencier les deux choses. Comme ça, il y a deux publics différents. Donc je pense que c'est un petit peu mieux. Je sais pas, franchement, essayez de me donner votre avis, voir ce que vous en pensez. Je sais pas, je suis assez partagé pour le moment, je penche plus d'un côté que de l'autre, hein, mais bon, on verra bien, ça sera aussi selon votre envie, votre choix, ce que vous en pensez aussi, parce que je tiens bien entendu compte des critiques, des idées, enfin tout ce qui va avec, constructive, des gens qui sont sur ma chaîne, bien entendu. Bon, on a gagné la première partie de jeu d'armes, ça fait plaisir. Hein. Ça faisait longtemps que j'avais joué à Call of, pourtant. Désolé, je me gratte beaucoup le nez, je sais pas ce que j'ai, ça me gratte le nez en plus, mes lunettes, elles me gênent. C'est, je sais pas. Vous allez me voir me gratter le nez tout le long de la vidéo. Oh, je sais pas. Je t'ai bousillé. Oh, toi tu campes. Regardez, regardez, on arrive derrière. Ok, le mec, j'ai galéré pour le buter. On va essayer de procéder intelligemment. Et de les prendre. Oh, il me l'a piqué l'enfoiré! Dégage toi! Cible abattue. Toi, je t'ai entendu. Mais les mecs! Arrêtez de. Mais. Arrêtez de me piquer mes kills, wesh! S'il vous plaît! Ok. Tiens, pour une fois que je te le pique, moi. Enfin, je crois que je l'ai piqué à un gars. Ouais, c'est bon, c'est bon. On prend un petit peu d'avance, c'est pas mal. Le jeu d'armes est vraiment sympa. J'en faisais pas mal sur Advanced Warfare avec la team. Quand on jouait tous ensemble, c'est vrai qu'on en faisait pas mal. Hein. C'était un petit peu les moments de détente. Même si pendant un moment, il y en avait pas mal qui glitchaient sur Advanced Warfare sur certaines maps. C'était un peu chiant, les mecs qui jouent en jeu d'armes pour glitcher. C'était pas vraiment marrant. Mais c'est vrai que celui-ci, je trouve bien, mais sans plus, parce que les armes, déjà, il n'y a pas vraiment. Enfin, il y a une rotation d'armes, mais c'est tout le temps la même rotation et tout le temps les mêmes accessoires. Et je trouve ça un petit peu dommage. Et je pense que ça aurait été pas mal de changer un petit peu, ne serait-ce que de changer des accessoires ou des trucs comme ça, parce qu'au bout d'un moment, bon. Voilà quoi, c'est sympa, mais d'avoir tout le temps les mêmes armes, c'est un peu relou. Mais bon, ça, de temps en temps, ça m'empêche pas de bien kiffer. Peut-être qu'un jour, je tomberai sur Skyrose, un grand amateur de jeux d'armes. Ça me ferait bien rire de jouer face à lui. Oh, cette arme. J'aime bien cette arme, mais pas avec ce viseur. Ah putain! Allez, crève. C'est bien. Eh, on est en série là, non? Sanguinaire. Ah, oh, il y a du monde là. Ah la vache, il m'a bousillé. Dommage. Eh, on n'a pas tant d'avance que ça. Hein. C'est limite. Mais là, par contre. J'aimerais bien voir du monde.
Ah l'enfoiré, mais putain, je vais pas réussir à la passer cette arme. Hein. Pourtant elle est bien, hein, la BRM, elle est pas dégueu, mais je sais pas. Je suis pas dans le truc là. Allez, j'ai vu un mec passer par là. Oh non, mais il me l'a piqué, l'enfoiré. Putain, eh mais, eh. Le mec, il a repris la tête, hein. Voilà. Snipe. Je suis une vraie bite au snipe. Oh là là. Il fut une époque où j'étais très bon snipe sur MW3, MW2, etc. J'étais pas mauvais du tout, hein, surtout MW3. Mais c'est vrai que j'ai vachement... Ah putain l'enfoiré, j'ai vachement perdu la main. Vous voyez, par exemple, lui, il vient de me foutre un truc un peu sale dans la gueule. Ok, bon, on va essayer de se concentrer. J'aimerais bien le passer rapidement. Ok, toi je t'ai bousillé, c'est bon, on est au bazooka. Pas pour longtemps, mais quand même, ça va être assez simple à passer, je pense. Il y a déjà un mec au bazooka là-dedans. Ah, l'enfoiré, ma cut. Ah, et puis ma... Ah ouais, non, 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 c'est pas cool ça. Ah, à mon avis, on va pas la gagner celle-ci, hein. Ah, putain. Tiens, c'est bon, je t'ai bousillé. Non! Mais pourquoi ça bug? Je me suis trompé de touche. Disparition. J'appuie sur m'accroupir. Avant j'avais les touches. Bah comme je vous ai expliqué sur ma vidéo setup, j'ai une burn mais qui est cassée et puis j'avais changé les touches. Et du coup je me suis trompé. Je suis revenu en tactique. Et j'aurais pu le cutter et avoir les coups de poing, mais je me suis accroupi comme un gros débile. Ah, je vous jure. Les 54 Bon, immortels écrasent on en toute est à combien de résistance. temps? 11 minutes. Moi je vous propose qu'on fasse une dernière partie. Ce sera pas une vidéo super longue, mais une petite dernière partie pour la route. Comme ça va être bien sympa. Et on va essayer de se venger de Amnesia Iron là. Essayer de le bousiller, lui péter la gueule, lui éclater les jambes à coups de batte de baseball. Moi, voilà, je veux ma revanche. Tu ne quittes pas l'accueil, sinon je te chie dessus, moi. C'est violent, mais je te chie dessus quand même. Ouh, je suis chaud là. Il m'a vénère, il m'a vénère. Il m'a vénère, c'est bon. Faut pas me péter les couilles, moi. Le mec il s'excite tout seul devant sa cam là. Ouh, je suis chaud, vas-y là. Vas-y. Bon, comme vous le voyez dans le jeu, il y a tout le temps la même map. Voilà. Donc les autres maps n'existent pas. J'ai beau voter pour une map différente de combine. Mais apparemment, non. Il faut payer pour jouer aux autres maps, je crois. Parce que les gens, ils sont à fond dessus. Ils s'astiquent sur combine, je crois. Je sais pas. Les mecs, vous n'en avez pas marre de jouer tout le temps sur cette map? Ok, elle est sympa. Elle est sympa, mais sincèrement, déjà, on l'avait à la bêta. Ensuite, dans le jeu de base, enfin dans le jeu final, on l'a tout le temps. Vraiment tout le temps. Donc, s'il vous plaît, les mecs, est-ce que vous pouvez voter pour autre chose quand même? Vous faites chier un peu, hein. Bon, toi, on va te bousiller déjà. Ok, je t'ai bousillé, c'est bon. Hop, ok. Je suis chaud là. Je suis chaud. Amnésia, on va te bousiller. On va se venger. On va se venger, moi, je vous le dis, on va se venger. J'étais déjà en triple meurtre. Dégage toi. Neutralisé. Non! Non! Oh! Je t'ai bousillé, je t'ai niqué. Bon, on va arrêter de dire des gros mots et on va se concentrer un petit peu parce que je sais que je peux choquer les plus jeunes d'entre vous, notamment les petites cousines qui regardent régulièrement mes vidéos. Ne reproduisez pas chez vous, sachez-vous. Oh non, j'étais en série. Ah, oh, c'est dommage. Ah, j'étais bien parti là. Ok, on a un petit peu d'avance, on va essayer de pas la perdre. Amnésia, pour le moment, tu vois, je te bouffe là. Je te bouffe, je vais te bouffer, je vais te bouffer, je m'en fous, il n'y a pas de raison, je vais te bouffer. Ok. Le seul truc chiant, c'est bon, je t'ai bousillé. Ah, l'enfoiré. C'est que quand on récupère une arme, ça met 10 000 ans à actionner le... Oh, ok, actionner le rechargement là. Enfin, le changement d'arme. Ok, vous êtes où les gars? Where are you? Toi t'es mort! Oh, sniper, sniper, attention! Attention! Et c'est la loose! Là, je suis vraiment pourri au sniper sur ce jeu. Et le pire, c'est qu'il va falloir que je les monte. Ah putain, va falloir que je les monte en or. C'est ça le pire.
Ah ouais, non, mais en fait, je pue la merde parce que si vous voulez, il n'y a pas d'assistance à la visée sur le sniper. Et déjà que je suis. Comme je vous ai dit, j'étais bon à une époque. Mais ça, c'était avant. Et là, quand on voit qu'il n'y a plus l'assistance, bah franchement, je me fais éclater. Hein. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour les mecs qui jouent vraiment bien au sniper. Alors, je parle pas de camper comme des chagasses. Hein. Vraiment bien jouer au snipe sans camper. Ok, je dois te bousiller. Ok, il m'a tué, mais c'est pas grave, j'ai passé le lance-roquette. On va essayer de cuter. Ok, le plus chaud. Oh, je me barre d'ici. Ah, j'ai pas pu me barrer. C'est des coups de poing. Les coups de poing, c'est chaud, mais chaud patate. Avec un peu de chance, je vais essayer de... en attraper un par derrière. Le problème, c'est... ce qui est chaud, c'est qu'il y a le radar. Et c'est bien le radar. Seulement, quand t'es avec les poings... Voilà, quand t'es avec les points, ça c'est plus compliqué. Surtout que là on est vraiment en mesure de gagner. Hein. Amnésia, on va le bousiller, mais le problème. Voilà, c'est ça le problème. C'est que. On est désavantagé. Alors. On n'est pas mauvais, on est des Rocky Balboa, mais toi je vais te niquer. Voilà! Yes! Alors là, il est où Amnésia? Amnésia, il est même plus dans le classement. Il a rachit, les mecs. Il a rachit. Il a vu mon niveau, ma puissance. Il a rachit, le mec. C'est qu'une merde. Voilà, c'est qu'une merde. Franchement. Tu me déçois, tu me déçois. Alors désolé si c'est un de mes abonnés, ça serait le con quand même. Imaginez, j'ai 77 abonnés maintenant. 77 abonnés, je tombe sur un de mes abonnés au pif dans tout le jeu. Et il prend très cher niveau insulte. Donc bien entendu, je rigole, hein, c'est sous l'emprise de l'adrénaline, nous allons dire. Mais non, je dis des gros mots, mais ce n'est pas méchant. C'est pas pour, voilà, pour insulter vraiment. Tu vois, non, mon bonhomme, il le fait. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas méchant. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Ça change un petit peu d'habitude, j'en ferai plus souvent. Je vais faire aussi, j'ai d'autres vidéos en tête. Je vais pas vous spoiler, vous aurez la surprise. J'ai plein d'idées en tête. Mais ça sortira très prochainement sur ma chaîne, ne vous inquiétez pas, vous serez tenu au courant. En attendant, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vu qu'on est à 77 abonnés, je vous propose d'atteindre la barre des 80 abonnés, ça serait quand même cool, hein. Ça serait la première fois sur la chaîne. Et voilà, encore une fois, merci pour la vidéo setup qui a super bien fonctionné. Et en attendant, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Allez, bye.